Bonjour, que la paix soit sur vous. Qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce que nous considérons comme sacré dans nos vies? Bien entendu, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient en Dieu, eh bien le sacré, c'est cette relation au divin, c'est Dieu dans nos vies, c'est Dieu dans l'accompagnement de notre conscience, de notre cœur, de nos émotions, de nos familles. Et donc le sacré, c'est cet élément essentiel qui donne sa valeur particulière à notre vie parce qu'il lui donne du sens. Et puis le sacré, c'est à différents degrés, eh bien, tout ce à quoi nous prêtons une valeur particulière. Le cadeau d'un être cher, de sa maman, de son papa, de son enfant, le sens d'un message qui est important, tout ceci considéré également dans la vie qui est sacrée. La vie est sacrée et il faut la respecter, toute la vie. La nature est sacrée parce qu'elle est la vie également. Et les animaux sont sacrés parce que c'est la vie également. Et dans ce cheminement qui est le nôtre par rapport à nous-mêmes, il faut se réconcilier avec le sens du sacré, de ces choses que nous respectons et que nous ne détruisons pas. Le respect de l'être humain, notre semblable, le respect de la vie, le respect des animaux, le respect de la nature, le respect de la croyance d'autrui. Il y a dans le sens du sacré pour soi, le sens du sacré pour autrui. Et celui-ci, il faut lui manifester un respect, un profond respect de la délicatesse, de la douceur. On dit qu'on peut rire de tout, il faut parfois se retenir de rire du sacré, de soi. Et pour autrui. C'est une façon d'être un être humain digne, c'est une façon de travailler pour la paix entre les êtres humains, connaître son sacré, respecter le sacré de son semblable. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile.